le député de Western Arctic. Monsieur le Président, la fonte de la calotte glaciaire a atteint un record sans précédent en Arctique. D'après un centre américain, la couverture était de 3,4 millions de kilomètres carrés. Auparavant, c'était de 4,2 millions en 2007. Il y a donc eu une fonte de la calotte glaciaire et on prédit que l'océan Arctique sera dénué de glace d'ici l'été 2020, alors qu'avant, on pensait que ce serait 2050. Les gens dans le Nord voient des changements dans la température et des tempêtes plus violente qu'avant. On en a une cet été. Il y a trois morceaux de glace qui se sont détachés de la banquise et l'un d'entre eux était aussi gros que les Bermudes et cela s'est détaché de l'île d'Ellesmere. Quand est-ce que le gouvernement va reconnaître qu'une crise sévit en Arctique et quand est-ce qu'il va prendre des mesures pour s'attaquer au changement climatique? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'agir?